Je regarde Vivica parce que Vivica, elle le disait tout à l'heure, moi, je chante pas des femmes qui meurent. Non. Elle souvent, chante... Souvent, je suis celui-là qui fait tuer les autres. Oui. C'est plus amusant. Tu trouves ça plus amusant? Mais en effet, j'ai commencé mes études comme soprane et j'étais toujours très agitée parce que je voulais pas mourir, je voulais pas souffrir, je voulais tuer les autres. Alors, à la fin, je suis arrivée comme mezzo et je suis tellement contente, heureuse. Alors que moi, c'est le contraire. Moi, je voulais mourir sur scène. J'ai Attends, eu le fantasme. Tu voulais mourir sur scène. J'ai souvent, plus maintenant, mais pendant des années, j'ai souhaité que ça s'arrête maintenant. Parce que j'avais vécu quelque chose de tellement fort qu'une fois par terre, je me dis, maintenant, tu peux mourir. Tu as vécu le plus beau de ta vie, c'était maintenant. Et ça pourrait s'arrêter. Et j'ai souhaité que ça s'arrête. Parce que, comme une espèce de geste ultimement beau. Ça m'a un peu passé, mais... Je pense que beaucoup d'acteurs de tragédiens sont des chanteurs d'opéra frustrés. Donc on se console en jouant Racine ou en jouant Phèdre. D'où ta passion pour l'opéra. Ah oui. C'est une grande, grande passion. Ah, moi, j'ai besoin d'une bonne femme qui hurle tous les matins. Est-ce qu'il y a une volontaire ici? Pour pas appeler ma mère, elle a une sacrée voix. La mienne aussi. La tienne aussi, forcément. En tout cas, on va retrouver Vivica parce qu'elle va nous apporter un petit peu d'air frais, là. Hein. Allez, oui. C'est l'italienne. Je vais pas mourir ce soir. Donc c'est Rossini. Et là, c'est donc notre belle italienne qui a fait naufrage devant le riad, on dirait aujourd'hui, de celui qui veut se séparer de sa femme. Et malheureusement, elle est amoureuse de Lindoro et ça ne va pas marcher du tout. Vivica Geno, accompagnée par l'orchestre Prométhée, dirigé par Pierre-Michel Durand. Cruda sorte, amor tira. No, questo è il premio di mia fe. Non v'è orrore, terrore, affanno. Pari a quel che ho provo in me. Come si fa?
Tutti la bramano, tutti la chiedono da vaga femmina, felicità, felicità, felicità. Mourir. C'est pas comme Dalida, je veux pas mourir sur scène. C'est drôle en tout cas la différence de discours. Comme quoi il y a des tempéraments parmi les chanteurs qui sont complètement c'est différents. Vrai, Et le discours est adapté à son type de voix, en plus. À ce qu'elle ressent. Et ce que tu disais tout à l'heure par rapport au rapport à la voix, l'émotion, etc. Je crois que chacune, on a des voix qui sont liées à nos tempéraments. C'est pas par hasard qu'elle est soprano, pas par hasard je suis mezzo. Elle, mezzo, mais un autre type de mezzo. Et je crois que chacune a... Et chacun, chez les hommes, c'est évidemment la même chose. Je voudrais simplement dire, pour ceux qui ont regardé pendant que tu chantais, Viveka, un portrait de toi drapé dans des fourrures, qu'en fait tu es née en Alaska. Je pense que c'est quelque chose me laisse penser. Avec les cheveux tout courts. Voilà. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai le caractère qui ne s'adapte pas très bien pour mourir, parce qu'en Alaska, en effet, il faut être très très forte. Survivre. Et survivre. Bien sûr. Et c'est peut-être ça que j'ai vécu, alors j'ai pas besoin de changer maintenant. Alors, moi je voudrais demander...